Aujourd'hui, dans notre émission spéciale Agir pour un avenir durable dans la vallée, autour de l'événement Le temps des possibles, nous accueillons Hervé Villard, vice-président de la transition écologique et de l'économie circulaire à la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Voilà un titre à rallonge. Nous allons parler de transition énergétique et ça, c'est un gros sujet. Juliette, tu as préparé un portrait. Oui, c'est ça. Alors bonjour Hervé Villard. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez une longue carrière au service de l'environnement. Vous avez complété un doctorat en géographie à l'université Joseph Fourier à Grenoble. Après avoir été consultant senior pour Hémisphère à Chamonix, où vous étiez en charge de la stratégie et de la médiation du développement durable, vous avez travaillé à Genève en tant que chargé de mission, puis en tant que chef de projet Air Climat Énergie, mais également en tant que chef de projet territoire à énergie positive. Aujourd'hui, vous mettez votre longue expérience dans le développement durable au service de la collectivité. Vous êtes vice-président à la transition écologique et à l'économie circulaire pour la communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La première étape, quand on parle d'énergie, c'est de consommer moins. Comment, vous, en tant que représentant de la collectivité, vous comptez agir pour inciter les habitants à consommer moins d'électricité ou plus largement moins d'énergie ? Bonjour, je ferai attention à ce que je mettrai sur les réseaux sociaux dorénavant, puisqu'on sait tout sur moi. Alors l'énergie. L'énergie, on ne s'en rend pas compte, mais elle est de partout autour de nous. C'est pas moi qui fais les calculs, mais on admet généralement que n'importe qui, aujourd'hui en France, bénéficie de l'énergie équivalente à celle fournie à l'époque des Romains par 100 esclaves. Ça veut dire que pour se déplacer, pour se chauffer, pour manger, pour produire, fabriquer, consommer. Aujourd'hui, c'est comme si on avait chacun de nous, là, on est trois, c'est comme s'il y avait 300 personnes à notre service qui travaillent, qui utilisent leurs muscles. Alors aujourd'hui, c'est plus les muscles qui fonctionnent. On a remplacé ça essentiellement par du pétrole. Donc l'énergie, elle est partout. On s'en sert beaucoup, tout le temps, en permanence et sans doute un petit peu trop. Pourquoi on s'en sert trop ? Parce que le pétrole, déjà, c'est une ressource qui n'est pas infinie. C'est une ressource qui coûte cher. Et maintenant, on le sait même depuis longtemps, c'est une ressource qui produit des dégâts sur l'environnement. Et ici, on le sait, c'est une ressource qui produit des dégâts sur la qualité de l'air qu'on respire et plus largement qui produit des dégâts sur le climat et donc qui affecte l'ensemble de la planète. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, on se doit de produire une énergie propre et de consommer le moins d'énergie possible, et surtout le moins d'énergie fossile venue du pétrole, du gaz, possible. Donc ça, c'est un immense chantier qui appartient à chacun de nous. Donc j'apprécie totalement ce qui a été dit préalablement, et le travail qui est fait par Nathalie Hagenmüller et ses amis dans la démarche pour le pacte, dans le temps des possibles. On est vraiment dans un travail collectif où l'habitant doit faire sa part et où l'élu, le responsable politique, doit faire sa part et donner un cadre où l'habitant pourra lui jouer un rôle plein et entier. On peut détailler, on pourra en parler des heures de tout ça, évidemment. On parlera un peu plus tard des transports, mais pour rester dans l'habitat, un des principaux postes de dépenses énergétiques, il vient du chauffage. Pouvez-vous nous parler des initiatives pour les particuliers ? Alors en effet, dans la vallée de Chamonix, il y a à peu près un tiers de l'énergie qui est consacrée au logement. Voilà, et cette énergie-là, elle sert essentiellement à se chauffer. Et petite parenthèse, dans la vallée en moyenne, on dépense 4 900 euros en énergie, alors que ce soit pour du carburant, que ce soit pour du chauffage et autres. 4 900 euros, ce qui est colossal. Donc évidemment, on a tous intérêt à faire des économies et le principal levier, on va le trouver dans notre façon de se loger, d'habiter. Alors je sais bien, on n'a pas tous le choix et d'habiter où on veut. On hérite parfois d'un logement qu'on loue, dans le meilleur des cas qu'on achète, et c'est déjà bien ici d'avoir un logement qu'on achète, et c'est déjà très bien de pouvoir se loger à Chamonix. Mais effectivement, il faut consommer le moins possible d'énergie, et donc il faut le plus possible isoler son logement, puisque l'énergie la plus écologique et la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc la collectivité a mis en place un dispositif qui s'appelle une plateforme de rénovation des logements, qui permet de mettre en place une sorte, on va appeler ça un écosystème, où l'habitant peut venir se renseigner dans des permanences et il peut rencontrer un expert en énergie
qui va le conseiller sur son cas spécifique, qui peut aller auditer son logement et qui peut lui dire, chez vous, les travaux, ils sont à faire plutôt sur les combles, plutôt sur les murs, plutôt sur les fenêtres, plutôt sur le système de chauffage. Et assorti à ça, la collectivité amène toute une série d'aides qui sont en général conditionnées et plutôt évaluées au regard des ressources de la personne. Mais il y a d'autres aides, comme le fonds Herbois, par exemple, qui permet de remplacer son système de chauffage sans regard sur les ressources personnelles. Donc on a ici un des dispositifs les plus avancés de la région en matière d'aide. Après consommer moins, il s'agit de produire mieux. Quels sont les projets auxquels la collectivité participe qui permettront de produire plus de l'énergie plus verte et plus locale ? Alors, on le sait assez peu, mais en fait, la vallée de Chamonix est assez atypique puisqu'elle produit déjà plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Alors, la collectivité locale, pour le moment, n'y est pas pour grand-chose. C'est en fait essentiellement l'eau de nos glaciers qui est captée, qui est utilisée pour produire de l'énergie hydroélectrique. Mais en plus de ça, désormais, on essaye de développer des énergies plus locales, plus disponibles localement, consommées localement. Donc c'est pour ça que l'année dernière, par exemple, a été inaugurée la microcentrale de Tacona qui utilise l'eau venue du glacier pour produire une électricité locale. Il y a un projet qui est en cours aussi du côté des Favrans. Il y a une autre réflexion en cours sur l'Arveyron. Et puis il y a aussi des démarches pour faire de la méthanisation à partir de la station d'épuration et des déchets produits localement. Et puis au-delà de ça, et ça c'est une des soirées à thème du temps des possibles, on essaye de lancer une dynamique d'énergie citoyenne, c'est-à-dire faire en sorte que chaque habitant investisse pour produire localement de l'énergie à partir principalement de l'énergie solaire et pour produire de l'électricité photovoltaïque. Ça, ce sera une soirée d'information le mardi soir, le mardi 29, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est la coopérative citoyenne de production d'énergie solaire qui est Exactement. En train de se monter. Quel est votre rôle à vous dans ce projet-là ? Alors ça, c'est assez intéressant et c'est assez inédit. C'est que d'habitude, on confie le rôle au pouvoir public, alors que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, de tout faire. Ici, on est plutôt initiateur et instigateur, c'est-à-dire qu'on enclenche une dynamique qu'on espère reprise au vol par les habitants. Donc ce soir-là, on fera appel aux bonnes volontés pour créer, dans un premier temps, une association, espère-t-on, et puis, si tout se passe bien, une société. Et nous, notre rôle est d'appuyer l'émergence de cette société, d'appuyer l'esprit collectif qui peut animer les habitants de cette vallée pour qu'ils se fédèrent, pour qu'ils s'organisent entre eux, et nous, on sera là pour les seconder. Dernière question, comment vous concevez le tourisme et le transport à Chamonix dans 10 ans ? Excellente question. Moi, je peux avoir ma conception, mais je crois que ça, on doit y réfléchir collectivement. Il y a pas mal d'enjeux. Il y a notamment des enjeux d'emploi, puisque ici, quand même, toute la vallée fonctionne grâce au tourisme. Mais effectivement, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir un tourisme qui fonctionne tout aussi bien, qui produit autant d'emplois, mais qui est peut-être plus respectueux, non pas de l'environnement local, parce que ça, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Ils sont à approfondir, mais on en a déjà fait beaucoup. Mais c'est davantage sur une empreinte globale, climatique. On sait qu'on a beaucoup de clients qui viennent de l'étranger et qui, du coup, utilisent de l'énergie pour venir jusque chez nous. Alors, ils ne font pas de dégâts sur notre environnement, mais ils en font sur le climat global. Et ça, on doit aussi essayer de prendre notre part à ce défi qui nous dépasse un petit peu et qui sort du cadre de notre seule vallée. Donc, oui, il y a un vrai chantier à ouvrir là-dessus. Merci beaucoup, Hervé, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous allons ensuite écouter l'agenda, mais tout de suite, on écoute ça.